Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, j'ai préparé avec vous un pudding de graines de chia. Vous allez voir, c'est super bon. Alors, si vous avez du mal avec la boisson que je vous ai faite en vidéo il y a quelques jours, vous voyez la boisson avec les graines de chia et le citron. Donc, vous pouvez varier et changer et la prendre sous forme de dessert ou peut-être au petit déjeuner. Ça passe très bien au petit déjeuner parce que c'est assez complet. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de graines de chia, de 4 yaourts. J'ai pris 4 yaourts parce qu'en fait, on est 4 à la maison. Enfin, 4, on est 5, mais il y a 4 personnes qui vont manger ce dessert. Du miel, des céréales. Hein. C'est vraiment pour le côté croquant, type muesli. Donc dans les céréales, moi, il y a du raisin sec. Du raisin sec, donc vous pouvez rajouter à la préparation. Hein, si vous n'avez pas de muesli, que vous voulez mettre du raisin sec, vous pouvez en mettre. De 2 bananes, donc c'est une demi-banane par verre, et de chocolat noir. J'ai choisi chocolat noir parce que je trouve que ça va très bien avec la banane, ça se marie très bien. Alors moi je vais le couper en petits copeaux, c'est juste pour avoir un petit côté hein, chocolat noir et tout, ça j'aime beaucoup. Donc ça va être simple, donc je vais faire tout le mélange et puis après je vais faire la garniture à la fin. Donc dans un premier... Alors dans un bol, je vais d'abord mettre mes 4 yaourts. Voilà, alors mes 4 yaourts. Alors vous pouvez faire cette préparation avec du lait d'avoine, vraiment pour celles qui sont intolérantes au lactose. Vous pouvez utiliser le lait d'avoine, le lait de riz, le lait d'amande. Le lait d'amande, c'est super bon. J'avais déjà fait avec du lait d'amande. Mais j'en ai pas à la maison, donc je vais faire vraiment avec les moyens du bord. Donc moi j'ai des yaourts nature, ça c'est quelque chose que j'ai toujours. Je vais faire avec ça. Et voilà, après vous pouvez aussi hein, utiliser de la compote. Si vous préférez quelque chose plus fruité, vous pouvez utiliser de la compote, ça marche tout aussi bien. Voilà, mes 4 yaourts sont dans le bol. J'aurais dû prendre quelque chose d'un peu plus grand, mais j'avais pas, donc voilà, c'est pas grave. Je vais là y mettre mes graines de chia. Alors les graines de chia, c'est 2 cuillères à café par pot de yaourt. Donc là, je vais en mettre 8. On va rajouter le miel. Alors en général, je mets une cuillère à café par pot de miel. Là, je vais mettre un peu moins d'une cuillère à café. Donc on va dire 3 bonnes cuillères à café de miel. Alors, je vais couper mes bananes en rondelles.
Ensuite, je vais couper mon chocolat noir en copeaux. Voilà, je vais en mettre. Là, je vais en laisser un peu hein, parce que je vais mettre un peu de muesli. Je fais vraiment un mélange hein, de voilà. J'aime beaucoup avec le chocolat noir, le croquant comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire pareil hein, pour les autres. Celle-là, je la réserverai pour mon fils. Il n'est pas trop fan de yaourt. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, ça passe super bien. Au petit déjeuner, ça passe bien. Vous pouvez y ajouter des dattes. Si vous avez des dattes, vous pouvez en mettre. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre. J'ai envie de mettre une. Non, je pense que je vais laisser comme ça. Des dattes, vous pouvez mettre du raisin sec. Moi, il y a déjà du raisin sec hein, dans mes céréales. Donc, j'en ai pas rajouté. Et puis après, vous pouvez le faire avec n'importe quel fruit, hein, de la fraise. Vous pouvez le faire vraiment en fonction de ce que vous aimez. Voilà, je vais continuer. Et puis, je vous montrerai la présentation à la fin. Alors voilà ce que ça donne, c'est super joli déjà, c'est agréable et en fait ça se mange facilement hein, pour les personnes qui ont envie d'en consommer mais qui n'aiment pas la texture, bah les intégrer dans un pudding de cette façon, ça passe super bien. Après au niveau des fruits, sachez que vous pouvez utiliser vraiment tous les fruits que vous avez, enfin n'importe quel fruit, des fraises, des myrtilles, framboises, vous pouvez utiliser aussi du miel, vous pouvez aussi mettre du caramel, enfin vraiment en fonction de vos goûts. Voilà, moi ce que je vais faire, regardez, je vais rajouter quand même une petite datte à côté, je trouve que ça passe bien, et puis ça fera un bon petit déjeuner assez complet. Alors je vais dénoyauter, je vais les nettoyer, puis je vais les poser. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.